La jeune femme qu'on retrouve a commencé ici même, en même temps que toi, en l'an 2000, en triomphant deux fois dans l'ancêtre du télécrochet, rappelle-toi, Graine de Star. Et devant sa télé, une certaine Mylène Farmer craque sur la jeune fille. Elle la prend sous son aile et elle lui offre, quelques mois plus tard, un titre qui restera classé 43 semaines dans le top 50, 1 282 000 exemplaires vendus. Et le conte de fées se résume en 6 lettres, L-O-L-I-T-A. Voici la merveilleuse Alizée. Moi je m'appelle Lolita, le ou bien Lola, du pareil de même. Moi je m'appelle Lolita, quand je rêve lourd, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai l'air un fou rire aussi fou qu'un phénomène. Je m'appelle de philo, amour d'illusion. C'est pas ma course. Et quand je bats ma planche, je vois les autres. Tout prêt à se jeter sur moi, c'est à ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, et Lolita, moi Lolita. Quand je m'appelle Lolita, que les chèvres battent bleu de méthylène. Moi je m'appelle Lolita, coller les épaves, mi-coton, mi-laine. Moi si je sais bouche qui dit pas à maman que je suis un phénomène. Je m'appelle Lolita, l'eau de philo. La première Lolita du nouveau millénaire, Alizée avec nous ce soir dans les 30 ans du top 50. Bonsoir Alizée. Bonsoir. Alors, Alizée en 2000, vous n'aviez que 16 ans. Oui. Et vous avez croqué dans la vie avec Gourmandise, votre premier album. Oui. Un immense succès en France, mais aussi à l'étranger. Ça fait quoi tout ça quand on n'a pas 20 ans?
En fait, on s'en rend pas trop compte à 15-16 ans. On prend ça comme un amusement. On se dit, j'ai de la chance d'être là. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je me dis, j'avais vraiment de la chance d'être là. Merci Alizée d'avoir été avec nous, avec ce tout planétaire, hein, Alex. Merci, oui, un tout planétaire pour les 30 ans et top 50. Merci encore, chère princesse, pour reprendre merci, au sujet. Merci. À très bientôt. Alizée, resplendissante, à bientôt. Allez, on va maintenant passer la main et le manche-disque à Guillaume Play, qui a quelques images cultes.